Et bonjour à tous, nous sommes en direct de la fête de la châtaigne à Saint-Pons. J'espère que vous m'entendez, on est en direct. Un monde fou, les parkings sont complets. J'étais la dernière voiture à arriver dans le parking est plein. Chaque année, entre 10 000 et 15 000 personnes se retrouvent à Saint-Pons pour cette fête de la châtaigne. C'est la 46e cette année. On va essayer de se faufiler parmi la foule. 130 exposants. On va fendre la foule, attention. On est en direct. Merci. Pardon, excusez-moi. Merci, monsieur. Tiens, papa, on va s'asseoir dans la Bonjour. Bonjour. Il y a du monde, hein? Ouais. Bonjour. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Il y a la foule, il y a du monde. C'est impressionnant. On le voyait déjà aux voitures tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Thank you.
Voilà, vous voyez en ce moment, il y a plein de morceaux qui volent de châtaignes. On se trouve recouvert. Pardon. Et les tamarous, ce sont les jeunes du comité des fêtes. Il y en a beaucoup qui sont investis, à la buvette notamment. On a beaucoup de monde. Une ambiance très particulière ici à Saint-Pons. Vous voyez, avec ces sortes de, je ne sais pas comment on appelle ça, ces grilles qui font tourner et qui permettent de cuire la châtaigne. Voilà, on va faire le tour pour revoir les autres aussi. Il y a plusieurs endroits avec les palettes, vous savez, palettes non traitées, je le dis. Vous avez été plusieurs à nous dire si c'était traité. Non, bien sûr qu'elles ne sont pas traitées. Ils sont pas fous quand même, les tamarous. Il fait assez bon, il fait pas trop froid, mais sur tout le monde a sa petite laine. De fou, vous le voyez, des mondes partout, mais tranquille, personne ne s'agite inutilement. De la claude, de la gratitude.
Attention, il y a le Manitou. Vous ne mangerez pas tout. Et ça sent bon, je peux vous dire. Ça sent la châtaigne grillée. Voilà, on est en direct de Saint-Pons-de-Thomières pour la 46e édition de cette fête de la châtaigne. Arnaud, excusez-moi, merci. Pardon, excusez-moi, merci. Est-ce que vous avez filmé? On est mal. Ouais, c'est en direct là. Thank you.
Saint-Paul ? Non, des Répiens. Des Répiens, ça va pas très loin. Les Tuquettes des Répiens. Les Tuquettes des Répiens, c'est joli. Les Tuquettes. Télé Béziers Sud, la télé, je suis en direct. Ah, super. Regardez. D'accord. Tuquettes. Il n'y a plus beaucoup, hein ? Le pire de Roland. Devant. Hop. Merci. La responsable, c'est elle. Je peux l'interviewer. La responsable. Bonjour. La capitaine là. Je peux vous poser quelques questions? Je vous donne le micro. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes des Répiens, c'est ça? Oui, on est des Répiens. Alors, c'est quoi? C'est les majorettes qui reprennent vie? C'est les majorettes qui reprennent vie, exactement. Et depuis combien de temps? Alors, moi, je suis là depuis novembre 2022, donc l'année dernière. Et le club, il est là depuis la présidente, madame. Bonjour. Oh, ça fait 10 ans qu'on a créé l'association. D'accord. Tu passes à la télé, là ? Eh oui, sur Facebook. Il y a 21 personnes qui regardent. 21 personnes. C'est déjà ça. C'est en direct. En direct. C'est bien, c'est bien. Et donc, c'est la première fois que vous participez à la fête de la châtaigne ? C'est la première fois ? Oui, c'est la première année qu'on participe. Ah, attendez, le micro. Voilà, une chose. Attention. Allez, je me mets à côté, voilà. Ça fait voilà, la première année qu'on participe. Merci. Et c'est bien, donc il y a tous âges. Il y a beaucoup de monde. Il y a 12 âges, moi par exemple j'ai 31 ans. 31 ans c'est... J'ai 31 ans. C'est vous, d'accord. Ouais. Et la plus petite hein? Elle a 3 ans. Ouh là là, oui d'accord. C'est excellent. Après, il y a tous les âges, 3, 4, 5, 6, 7. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de refaire ça Parce que les majorettes, c'est vieux. C'est vieux, mais alors à la base j'ai créé l'association pour ma fille. À l'époque il y avait un club à la Tour-sur-Orbe. Et les horaires ne correspondaient plus par rapport à ma fille qui rentrait en sixième. Donc, comme elles étaient un certain nombre des Répiens, elles m'ont dit « Ah, René, t'as qu'à faire l'association. » Donc, j'ai créé l'association. Vous avez été majorette quand vous étiez petite ? Jamais. Jamais ? Non. D'accord. Jamais. C'est bien. Par contre, il y a une ancienne 12e championne de France de tour du bâton. C'est vrai ? Vous ? Moi. C'est génial. Merci. Donc vous vous occupez d'elle toutes les semaines, c'est ça ? Je participe aux entraînements avec la deuxième coach qui est ici présente. Bonjour. Michel. Enchanté. Très bien. Et vous êtes d'où, de Béziers ou ? Et non. Répiens aussi. Et Répiens aussi. Oui. D'accord. Super. Et vous vous produisez dans différents endroits comme ça ? Dès que les villages nous appellent, Ben, ça fait de l'animation. Là, vous allez continuer là, oui, on repart et on va aller côté de la cathédrale. Ah, vous allez changer de lieu. D'accord. Voilà. Mais j'étais ravi de vous voir en tout cas. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Allez. Voilà, vous avez vu. L'animation au rendez-vous. La banda Mescladis de Béziers, la banda est également là hier. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Alors on va se rapprocher pour revoir ces scènes incroyables de grill de châtaigne. Bon, il y a beaucoup de monde qui regarde, hein. Beaucoup de stands. Voilà.
Et les voilà qui repartent. Elles sont dérépiantes, je vous le rappelle. Pardon, excusez-moi. Et voilà, toujours en direct. Je ne sais plus depuis combien de temps, il y a bien 20 minutes que nous sommes en direct. Si je mets le 22. Voilà, c'est un signe. Et on voit Elio. Elio qu'on a interviewé il y a quelques jours. Vous avez été 10 000 à regarder cette vidéo. On voit aussi Cédric. Voilà. On en a, voilà, ils sont nombreux, les Tamarous, à faire la buvette. Beaucoup de monde ici pour cette fête de la châtaigne. Merci, vous êtes 33 sur ce direct. Merci. On va vous remontrer le monde déjà. Ah ouais, voyez, la Ligo est terminée. Ah non, il y en a encore de la Ligo. Ah, de la Ligo. Bonjour. Télé Béziers Sud en direct, je peux vous poser des questions? C'est vous qui produisez? Ah, le chef, il est là. Bonjour. Vous êtes d'où? De Rieux-Bérou, c'est loin d'ici? Oui, 2h30. Je vous le mets le micro. Ah, hop, voilà. Vous êtes d'où? Rieux-Bérou alors? Rieux-Bérou, oui. Et c'est vous qui avez fait l'aligo? Voilà. Ah, et un bon aligo, alors il y a quoi dans un bon aligo? Il y a de la tombe de braque. Et si vous voulez, on fait une purée au départ. Une purée avec du lait, tout ça. Et après, on met de la tombe de braque. Et vous avez votre petit ingrédient secret? Voilà. Ouais. C'est secret. C'est vrai? Et voilà. Et là, vous en avez vendu beaucoup? Vous en avez fait combien? Bon, on en a fait un bon peu, oui. C'était bien. Ouais, ouais. Vous venez chaque année ici? Oui, chaque année. D'accord. Votre prénom, c'est comment? Ricard. C'est l'entreprise, le Ségalou, les Tripoux et tout ça. Et vous venez depuis, pardon, je vous ai coupé. Vous venez depuis combien? 15 ans, je pense. 15 ans. D'accord. Vous êtes content, quoi. Il y a du monde, hein? Ouais, ouais. Ah, oui, oui. Plus que l'an dernier ou ça va? Je pense que le dimanche, ouais, plus que l'an dernier. Cette année, ouais, plus que l'an dernier. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie. Au revoir. Allez, hop. C'est la carte. Hop. Télé Béziers sur Facebook. Voilà, donc nous sommes ensemble, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on va vous remontrer la grillade des châtaignes. C'est quand même quelque chose à voir si vous n'êtes jamais allé à cette fête de la châtaigne de Saint-Pons, de Thomières. Voilà, on va les voir de près. Et regardez tout ce... Il y en a encore des châtaignes. Il y a 4 tonnes qui ont été commandées. Voilà, vous voyez ce stock. Vous les voyez verser les châtaignes cuites. Ça y est, elles sont cuites. Elles sont plus petites que les autres années, soi-disant.
Voilà, merci d'avoir été nombreux sur ce direct. Voilà, on va... Excuse-moi, je peux te poser des questions? Oui. C'est pour Télé-Béziers Sud. Ça marche. Ils sont passés déjà hein, sur Télé-Béziers Sud. Oui. Tu l'as vu la vidéo? 10 000 vues. Alors, ton prénom, c'est comment? Justin. Justin? Justin. Ah, tiens-le, voilà. Alors, t'es content d'être ici? Il y a du monde, c'est génial. Il fait beau. Enfin, il fait gris. C'est bon, ouais, il fait pas trop froid. Bon. Il y a du monde, on se régale, des châtaigniers, on en a vendu, de la bière. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Il fait chaud autour du feu. 4 tonnes, c'est ça? C'est ça. C'est énorme. Ouais, ouais, hier on a vendu vachement de bière comme il faisait bon. Et le monde est là et c'est cool. Et vous êtes beaucoup de jeunes investis, vous êtes tous d'ici? Tous d'ici, ouais. C'est génial. On s'est tous d'ici et on est un groupe de copains donc. Ça soude entre vous, voilà, non? Voilà. On fait des fêtes, des soirées. Après, à la fin de chaque journée, c'est la fête dans les bars, là. Voilà, après, c'est compliqué le matin de se lever. Tu travailles, toi, demain? Non, heureusement, je suis en vacances, mais ah. C'est compliqué sinon. Ben, bravo pour ton implication merci et bravo pour tout ce que vous faites, c'est merci, super. Merci, merci. Et ben, cette année, il y aura eu du monde, là. Il y aura eu du monde, on est contents, ça a marché, et ça fait vivre ce joli village. Ouais. Tu tiens à ton village? Ouais, j'y tiens beaucoup. Ouais. T'es heureux ici? Ouais, je suis bien. Les copains, tout ça, la montagne, la chasse, tout ça. La chasse. Ouais. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Au revoir. Voilà, c'est ainsi qu'on clôt ce direct avec Gustin, oui, s'il me semble, c'est ça. Et on va essayer de se rapprocher un petit peu. Voilà, vous voyez. Et ça chauffe. Vous voyez, c'est impressionnant. Et on vous remercie d'être passé sur ce direct. C'est à Saint-Pons-de-Thomières. Ça finit vers 18h, c'est la deuxième jour de cette 46e édition et on aura, je pense, approché les 15 000 visiteurs dans cette fête avec 130 exposants et beaucoup de mains vaillantes et de jeunes investis dans ce comité des fêtes, les Tamarous. Voilà, on clôture ce direct. Merci d'être passé sur Télé-Béziers Sud et partagez, n'hésitez pas à partager, à liker et si vous likez, vous aurez plus de propositions par Facebook, par l'algorithme. Pour vous proposer de nouveaux sujets. Il y avait ce matin également la fête du fromage aux Halles de Béziers. Et nous y étions. Voilà, bonne journée à tous, bonne fin de week-end.